Ça se passe dans le Vaucluse, c'est l'histoire d'une famille. Donc au centre, deux sœurs, 15 et 16 ans, et leurs deux parents, donc Manuel et Séverine. C'est une famille assez pauvre, c'est pas non plus l'horreur, mais c'est loin d'être des bourgeois. Ils ont un petit peu du mal à joindre les deux bouts. Et en fait, bon, bah, le roman commence sur l'annonce du drame, c'est que Céline est enceinte et elle ne veut pas dire de qui. Le poids des lieux dans ce roman, ça se situe plutôt sur le fait que c'est des endroits dont on ne part pas. C'est des petits villages, des petits bleds. Ça se passe dans le Vaucluse, mais je pense que ça pourrait se passer dans plein d'autres coins de France où on peine à s'extirper en fait d'un lieu géographique, d'un milieu social. Alors, le personnage de Johanna, donc la plus jeune des sœurs, bien sûr qu'elle est au centre, elle est vachement importante pour moi. Elle est presque plus importante, si on peut dire, que Céline, alors que le drame vient de Céline, dans le sens où en fait elle amène effectivement un regard autre. Elle est un petit peu l'élément différent du reste de sa famille. Elle est peut-être celle qui arrivera à partir et à s'extirper en fait de cette boucle, justement, de ce système circulaire qui se répète de génération en génération. Donc elle est aussi le personnage qui incarne un peu l'espoir. Le titre, L'été circulaire, je le dois à un ami auteur qui s'appelle Nicolas Mathieu, qui a écrit Le Magnifique aux animaux la guerre. Et on avait beaucoup de discussions autour de nos thèmes de prédilection réciproques. L'adolescence, pour moi, c'est un âge effectivement hyper important et surtout hyper intéressant à traiter. Parce que c'est vraiment l'âge de tous les possibles, des choix, Ouais, c'est vraiment un moment de construction et un moment de choix. Donc je trouve que c'est passionnant. Et aussi bien quand j'écris en jeunesse que là, dans ce premier roman adulte. Parce que c'est peut-être plus le point de vue qui va être différent. C'est-à-dire qu'effectivement, dans mes bouquins jeunesse, je pense que je m'adresse plus directement à des adolescents, même si c'est lisible par des adultes. Et là, de la même façon, celui-là, à mon avis, est lisible par des ados, mais le point de vue est un point de vue d'adulte.